N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La nuit descend doucement. Dans quelques instants, comme par magie, nous serons transportés en l'an de grâce 1504. Mais le miracle ne saurait s'accomplir sans le voile protecteur de la nuit. Les compagnons de Saint Jean vous invitent donc à attendre en musique avant que soit décrite les diverses phases de l'intronisation de Saint Jean et que Monsieur le maire de Valréas vous souhaite la bienvenue. L'heure sera alors venue de plonger dans le passé, dans le mystère, dans la nuit de Saint Jean.
de la ville se déroule en quatre phases successives. Chaque année, le 23 juin à la nuit tombée. 400 personnages costumés y participent. Première phase, le petit cortège. Franchissant le portail sud de l'église Notre-Dame, où sont déposées les reliques de Saint-Martin des Ormeaux, apparaît le cortège du petit Saint-Jean de l'an passé. Porté à cheval par le capitaine pontifical et précédé de son étendard, de ses gens, des porteurs de torches, des tambours, des hallebardiers, des grands personnages, consuls, viguiers, commandants d'armes, porte-clés de la ville, porte-flamme des grandes familles, étendard du Québec et le prince à l'agneau. Le cortège se rend au château de Simiane, au son des tambours de la ville, battant la marche processionnelle et éclairée par les porteurs de torches. Le petit Saint-Jean de l'an passé va transmettre ses pouvoirs à son successeur. À son arrivée au château, le cortège disparaît dans la nuit. Deuxième phase, la cérémonie. Se déroulant dans la cour d'honneur du château de Simiane, la cérémonie est annoncée par les sonneries des trompettes pontificales et la mise en place successive d'une partie des personnages. Le petit Saint-Jean de l'an passé va transmettre au nouveau Saint-Jean sa bénédiction et sa croix, emblème de royauté. Sont présentés au nouveau Saint-Jean l'étendard du roi des Bouviers de l'année et l'étendard personnel de Saint-Jean. L'étendard du Québec, par un jeune page venu spécialement de la belle province. Ensuite, les moinillons apportent à l'enfant roi les offrandes de toute la population. Ces offrandes terminées, voici l'émouvante séquence de l'agneau divin. Le prince à l'agneau, escorté des porteurs de la litière, de l'étendard du Québec et des guines moignillons, vient présenter à Saint-Jean et à la foule l'agneau de Dieu. Pour terminer cette phase de la cérémonie, les 30 étendards des corporations et confréries sont présentés à Saint-Jean et à la foule. Ils se retirent, laissant Saint-Jean sur son trône, entouré des grands personnages et des gens de sa maison, et protégé par la garde pontificale. L'enfant roi, pour la première fois de son règne, bénit la foule rassemblée sur la grande place. Troisième phase, le grand cortège. Quittant la cour d'honneur du château de Simiane, le grandiose cortège, auquel viendront s'ajouter les cavaliers, le roi des Bouviers et ses gens, et le char de l'agriculture, commence son périple dans les rues et grandes avenues de Valréas. Saint-Jean, de sa litière, précédé du prince porteur de l'agneau et entouré des 40 moignillons, bénissant sa ville et la foule. Sur la partie des cours du Berteuil, cours Victor Hugo, cours de la Recluse, le grand cortège se déroule uniquement à la lueur des torches, ce qui ajoute un fleuron supplémentaire au caractère surnaturel de cette manifestation. Quatrième phase, l'apothéose. Et Saint-Jean, ayant parcouru et béni sa ville, revient avec son merveilleux cortège au château de Simiane, où se déroule la cérémonie finale. Le jeu scénique, animé par l'immense cortège des 400 personnages, ramène Saint-Jean sur son trône, entouré des gens de sa maison, dignitaires, sa bannière personnelle et les flammes des grandes familles, son étendard personnel, celui du roi des Bouviers et du Québec, les 30 étendards des confréries, les bannerets, le prince à l'agneau,
le porte-clés de la ville, les porteurs de la litière. L'immense tableau final disparaît doucement dans l'ombre, comme s'il regagnait le ciel. Et Saint Jean, petit roi sorti de la nuit, retournera à la légende, protégeant Valréas pendant la durée de son règne jusqu'au 23 juin de l'an prochain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis valréasiens, amis de l'enclave des papes, visiteurs de passage pour cette soirée, je suis fier en ma qualité de maire de Valréas de vous présenter cette belle cérémonie magique et unique qui perpétue une tradition venue du fond des âges. Depuis plus de 5 siècles, Valréas se met sous la protection d'un enfant désigné par le sort qui, en devenant le roi de la cité pour une année, va bénir la foule rassemblée ce soir autour de lui. Ce jeune enfant, symbole d'innocence et de paix, héritier de la très ancienne histoire de notre pays, qu'il devra transmettre à son tour aux futures générations, va, dans la grande tradition de cette fête spirituelle et profane, vous adresser un souffle de réconfort et d'espoir pour vous permettre de traverser votre destinée en toute sérénité. Je tiens à remercier personnellement et au nom de tous les Valréasiens, les compagnons de Saint-Jean, ces mainteneurs qui ont juré de perpétuer la tradition par leur grand dévouement à cette noble cause. Vous allez vivre en cette nuit, la plus courte de l'année, un moment intense. L'obscurité tombe sur le château de Signal, plongeant la ville et la Provence dans l'ombre suave d'une prochaine résurrection qui tombe chaque année au moment du solstice d'été, voire renaître la lumière. L'embrasement des monuments et des cœurs en un long cortège de personnages venus de notre âge, vous pourrez admirer le travail et la patience des compagnons. Observez attentivement les détails cachés, replongez-vous dans ces époques lointaines et vous pourrez enfin découvrir la volupté d'un moment magique que nous allons partager. Les Valréasiens partagent également cette nuit exceptionnelle avec leurs cousins du Québec, fidèles parmi les fidèles. Et maintenant, place au miracle.
Tout disparaît doucement dans l'ordre. Le mystère s'installe. Nous sommes en 1504. À l'église Notre-Dame, Saint Jean de Lampassé et sa cour, venu rendre un dernier hommage à Saint-Martin-des-Ormeaux, peuvent maintenant gagner signal. Le portail sud peut s'ouvrir, le Magnificat peut s'élever dans la nuit. Thank you.
plus courte de l'année, nuit du solstice d'été, Valréas offre depuis 5 siècles son message d'amour et de paix par la grâce d'un enfant qui règnera sur la ville pendant toute l'année. Saint Jean de l'an passé et son escorte ont gagné Signal. Le moment est venu. Le cérémonial d'intronisation peut commencer. Les trompettes pontificales peuvent retentir. Répondant à l'appel des trompettes pontificales, vont prendre place dans la cour d'honneur et sur le podium progressivement. Thank you.
seul sans vidéo. Surgit de la nuit avec toute sa cour, va recevoir la bénédiction de Saint Jean de l'an passé et sa croix, emblème de sa royauté. Thank you.
Saint Jean, maintenant, peut recevoir les marques de soumission et d'allégeance de toutes les confrères. Bleu et blanc, et l'étendard noir et pourpre du roi des bouviers de l'année, avant d'en confier la garde aux pages qui auront eu l'honneur d'être choisis pour les lui présenter. Québec, la belle province, par-delà l'océan, a dépêché un émissaire. Il est venu présenter à la bénédiction de Saint-Jean l'étendard fleurdelisé, honneur et fierté de tout un peuple. Saint Jean les bénit en signe de remerciement. Les moignons se retirent dans leur retraite.
Jean le précurseur, agneau qui rappelle la parole que disait Jean pour désigner Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Alors, on va mettre la musique à 6 micros.
Derrière.
Allez. Et c'est la maladie de l'hiver, c'est tout le monde. Alors là, on va être venu là. On est Vous êtes là, vous êtes bien. C'est le magasin de nous. Allez, vous choisissez. Récupérez vos délits.